N'hésitez vraiment pas à rejoindre notre serveur Discord si jamais vous voulez me parler, me poser des questions, avoir des suggestions par rapport aux tests, discuter avec des membres de ma communauté ou de la communauté de GTA Online, jouer à Clash Royale et parler de tout et de rien en ayant quelques grades exclusifs comme le grade Louveteau ou même le grade VIP. Je vous attends très nombreux sur ce serveur, le lien sera dans la description. C'est un RPG les amis, donc dans 3, 2, 1, enfin je sais pas dans 3, 2, 1, on va tuer, on va call, on va voir ce qui va se passer dans 3, 2, 1, let's go! Et à me dire dans l'espace commentaire d'autres personnes que vous voulez que je regarde ce qui se passe si jamais on ne les tue pas, si on doit les tuer et vice versa si on ne doit pas les tuer et qu'on les tue. Enfin bref, vous avez compris le principe, donc c'est parti. Donc le test qu'on m'a proposé aujourd'hui, c'est de voir ce qui se passe si jamais on essaye ou on tue Trevor pendant cette fameuse course poursuite où après on va rejoindre Michael, etc. Du coup c'est ce que nous allons faire. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un hélicoptère de combat, je vais prendre le Hunter pour pouvoir réaliser cette petite mission vraiment sympathique. Hop là, donc j'ai le Hunter, Trevor vient tout juste de passer là-bas. Donc comme ça au moins on aura les missiles, le barrage de missiles. Et du coup bah, on va pouvoir bien le mitrailler comme il faut. Et à mon avis, il n'y aura pas moyen de le louper. Donc on va décoller tranquillement. On va voir s'il y aura moyen de le buter avant même qu'il atteigne la destination. Parce que de base, le but de la mission c'est quand même de le tuer. Donc on va voir ce qui va se passer. Alors c'est parti, premier missile, est-ce qu'il va réussir à l'esquiver? Oh là là, il l'a esquivé. J'arrive pas trop bien à voir. Attends, est-ce que je peux changer un petit peu le temps? Est-ce que je peux changer l'heure? Oui. Par contre ça me fait une vue assez bizarre, assez chelou. Est-ce que ça peut arrêter? Voilà, c'est bon, ok. Donc maintenant qu'il fait jour, enfin c'est un jour assez particulier quand même. What? Attendez, weather, extra sunny. Hop. Hop. Arrête de faire une crise d'épilepsie. Ok, donc c'est bon, on va pouvoir envoyer quelques missiles sur Trevor. Là, je vais pas en train de le viser. Ah, vas-y. Non, il passe sous le pont. Mais non, mais passe pas sous le pont. On n'arrive pas à le voir. Attendez. Non, il arrive à esquiver tous les missiles. Enfin, après, vous allez me dire, c'est pas normal. Normalement, qu'on ait un hélicoptère dans cette mission. Et normalement, on n'a pas d'arme une fois qu'on est dans le véhicule. Donc, on peut pas le tuer directement. On est obligé de faire la course-poursuite. Et regardez, même avec tous les missiles, il arrive à tous les esquiver. Attendez, on va essayer de se placer devant lui, comme ça. Petit missile de barrage. Non, il a réussi à les éviter encore. Allez, Trevor, prends ton missile. Alors, à votre avis, est-ce que je vais réussir à arrêter Trevor avec ses missiles? A mon avis, non. Puisque pour l'instant, j'arrive à tous... Enfin, il arrive à tous les esquiver. Putain, mais c'est vachement chelou qu'il arrive à les esquiver comme ça. Attendez, là, je suis bien placé. Là, il devrait pas pouvoir les esquiver. On a l'impression qu'il a vraiment quelque chose derrière lui qui détruit quoi que ce soit, peu importe les missiles, si c'est des bombes collantes. Regardez, il n'y a aucun missile qui arrive à le toucher. Il n'y a vraiment aucun missile qui arrive à le toucher. Alors je sais pas ce qui serait passé si jamais j'aurais tenté avec une grenade ou une bombe collante. Mais regardez, il n'y a rien. Là, regardez. Même ça, ça n'arrive même pas à le toucher. Ça n'arrive même pas à le toucher. Ok, donc ça c'est bon, on est bien placé. Petit missile de barrage ici. Ah non, il a tourné. Oh, c'est fait niquer. Ok, donc là normalement nous sommes censés aller jusqu'ici. Après normalement notre ami Michael va débarquer de je ne sais où. Et du coup on va quand même vérifier de où il vient, puisqu'on devait déjà le faire sur l'autre vidéo. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va, hop là, arrêter le temps. Hop là, donc là on arrête le temps. On va se déplacer rapidement avec la caméra libre. Donc normalement Trevor est là. Normalement Michael va arriver une fois qu'on est ici. Donc normalement Michael devrait se trouver plus ou moins par là. Est-ce que Michael est quelque part par là? Puisque après le choc se fait... Attendez, le choc il se fait où? Le choc... What? Mais what the fuck? Comment Michael arrive à passer ici comme ça tranquillement et arrive à percuter la voiture? Putain, mais il était vraiment bien programmé pour pouvoir réussir cette cascade. Parce que je pense que pas grand monde aurait réussi à la réaliser. Pour l'instant Michael n'est pas là. On va essayer d'avancer étape par étape avec le temps. Et on va avancer un petit peu le temps. Là, Michael n'est toujours pas là. On va rester comme ça. Normalement, Michael devait arriver dans ces environs-là. Michael is not here. Ah non! Et Michael, il arrive de là. Attendez, regardez, ce qui est assez bizarre, c'est que... Bim! What? Mais comment Michael arrive à faire un drift comme ça alors que normalement, il y a des sortes de barreaux et des trucs comme ça?
C'est pas du tout logique. Et en plus, ce qui est assez drôle, c'est que moi-même, je suis dans un hélicoptère de combat qui est en train de partir très très loin. Donc vous allez me dire comment je vais réussir à tuer Trevor. Enfin, du moins, qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se passer? Ah merde! Comment si Ajuda ne suffisait pas? Oh! Mais Trevor, il est Michael Franklin, il arrive comme ça! C'est n'importe quoi! Il était dans un hélicoptère de combat! Ça n'a aucun sens! Attendez, ce qu'on va faire maintenant, c'est que. On va réaliser le troisième test. C'est qu'on va essayer de tuer Michael pour voir ce qui se passe. Parce qu'on n'a jamais essayé. Genre, imaginons qu'on ait décidé de retourner sa veste dans la mission et qu'on décide de tuer Michael! Voilà, nous allons tuer Michael. Donc, give all will point. Attendez, il faut que j'arrête le temps là. Parce que sinon, ça va pas passer. Il faut que je fasse normalement. Win point. C'est individual win point. On va prendre shotgun. Non, c'est pas ça. Heavy win point. On va prendre le RPG. On va faire équipe. Ok, donc c'est bon. Je suis équipé d'un RPG, les amis. Donc, dans 3, 2, 1. Enfin, je sais pas. Dans 3, 2, 1. On va tuer Michael. On va voir ce qui va se passer dans 3, 2, 1. Let's go. Pouh. Michael, il est mort. Oh! Échec de la mission, Michael est mort. Mais du coup, on a sauvé Trevor. Et du coup, on a sauvé Trevor, mais on a tué Michael. Enfin, c'est pas le. What? Et la voiture de Michael qui s'est transformée comme ça. Trevor qui est plus ou moins changé d'apparence. Michael qui se retrouve comme ça. La voiture de Franklin qui est juste derrière. Ce qui est du tout pas du tout logique. Bah, bref, hein, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour. Enfin, j'ai pas d'autre chose à rajouter sur cette vidéo de test. J'ai fait plus ou moins le tour, on a essayé de tuer Trevor pendant la course poursuite, on a essayé de voir si on ne tuait pas Trevor ce qui se passe.